quand vous voyez qu'est-ce qu'elle reçoit, elle est sous antidiabétiques oraux, elle reçoit à dos 1 gramme, c'est-à-dire la metformine, 1 gramme 2 fois par jour, et j'ai pris 6 mg par jour le matin. J'ai pris, vous connaissez, c'est c'est un glylide, un sécrétagogue. Elle a un fond d'œil normal, tout est bon. On l'interroge un peu plus, elle nous dit qu'elle a pris un peu de poids les deux derniers mois. Sur le plan diététique, ça va, elle respecte plus ou moins son régime alimentaire. Une activité physique modérée, elle fait la marche, 20 à 30 minutes par jour. À l'examen, elle a un poids 75 kg, une taille de 1,60 m. L'IMC, elle est un petit peu en surpoids, elle a 28 kg par mètre carré. Sa tension artérielle est normale, aussi bien en position couchée qu'en position debout. L'auscultation cardiaque est normale, le rythme est régulier, la fréquence est à 70 par minute et il n'y a aucune particularité dans son examen. On a regardé un petit peu le bilan biologique qu'elle a ramené. Elle a une glycémie à jeun 1,55, une hémoglobine glyquée à 6,9. Elle n'a pas d'insuffisance rénale. Le débit de filtration glomérulaire est à 78. Le bilan lipidique est normal. Alors, cette patiente n'a rien, tout est bon, sauf qu'elle fait des malaises l'après-midi. Alors, vous allez penser à quoi chez cette patiente? Pensez à l'hypoglycémie. Mais il n'y a pas que l'hypoglycémie. Tout malaise chez un diabétique ne veut pas dire automatiquement hypoglycémie. Mais chez un diabétique, tout malaise doit faire penser d'abord à l'hypoglycémie. D'abord l'hypoglycémie. D'abord éliminer l'hypoglycémie et penser aux autres. Donc vous avez vu que j'ai insisté dans l'examen clinique, il n'y a pas d'hypotension orthostatique, il n'y a pas de trouble du rythme, etc. Et justement, on évoque d'abord l'hypoglycémie. Et à ce sujet, je voudrais vous rappeler le diagnostic de l'hypoglycémie d'après l'ADA 2018. L'ADA, c'est l'association américaine vous donne trois niveaux dans l'hypoglycémie. Le niveau 1, c'est des glycémies inférieures à 0,7, inférieur ou égal à 0,7 mg par décilitre. Donc ici, c'est une hypoglycémie modérée chez laquelle le patient peut se corriger lui-même sans problème. Le niveau 2, c'est une hypoglycémie dont la glycémie est inférieure à 0,5. Bon, il y a des signes d'hypoglycémie, c'est un peu sérieux, mais le patient peut toujours se corriger lui-même. Et le niveau 3, qui est le plus grave, c'est l'hypoglycémie sévère. Et là, ce niveau 3, on ne le définit pas par des chiffres glycémiques, on le définit par l'aspect clinique du patient. Donc, une hypoglycémie sévère, c'est un patient qui a perdu connaissance ou au moins des troubles sérieux de la conscience et qui a besoin d'une tierce personne pour l'aider à se resucrer, etc. Quels sont les signes de l'hypoglycémie? Je pense que vous les connaissez tous. Donc, il y a un changement de l'humeur, ça peut être une vision floue, des sueurs froides, des fringales subites, il a besoin de manger, il a faim, des tremblements, c'est les malades qui disent qu'elle vibre. Donc des tremblements, étourdissements, la fatigue, des maux de tête, tout ça c'est des signes d'hypoglycémie qu'il faut reconnaître. Alors, bon à savoir, sachez que chez le même malade, les signes sont les mêmes. Les symptômes, ils diffèrent d'un individu à l'autre, mais chez le même malade, il a toujours les mêmes signes. Quand il fait son hypoglycémie, c'est les mêmes signes. Certains, c'est seulement ils tremblent, ils ont des sueurs. D'autres, ils ont un trouble du comportement, un trouble de l'humeur, ils se mettent à rire. D'ailleurs, Ramadan, vous voyez que certains malades, les malades, ils deviennent joviales, les malades sont très joviales, ou des malades nerveux. C'est l'hypoglycémie, c'est le phénomène d'hypoglycémie. Alors,
Il faut savoir que tout changement inhabituel du comportement chez un diabétique sous traitement hypoglycémie, en particulier sous insuline ou sulfamide, doit faire évoquer d'abord le diagnostic d'hypoglycémie et faire pratiquer une glycémie au doigt qui permet de poser le diagnostic. Oui. Oui. Parce que vous avez fixé comme référence 0,70. Oui, c'est la date qu'il a fixée, c'est pas moi. Vous l'avez accepté. Oui, je l'ai accepté. Oui. Il m'est arrivé. Oui. On ne va pas s'approfondir dans ce sens, on peut être en peur. Et qui pose des problèmes encore plus importants dans la prise en charge du diabétique. Et il y a aussi le phénomène inverse, c'est des patients qui ont des signes d'hypoglycémie alors qu'ils sont à 1 gramme ou 1 gramme 2. Donc ça, c'est des seuils de perception de l'hypoglycémie. Il y a aussi la neuropathie diabétique. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte pour que l'hypoglycémie ne soit pas ressentie. Mais c'est une hypoglycémie. Mais c'est... Oui. Moins de 0,70, c'est une hypoglycémie. Donc il faut prendre le... Il n'y a pas de signes, il n'y a pas asymptomatique. C'est des hypoglycémies non ressenties. C'est des hypoglycémies non ressenties. Et d'ailleurs, quand on voit les hypoglycémies dans un autre sens, on retrouve qu'il y a plusieurs hypoglycémies qui sont diagnostiquées par le CGMS, le hyperglycémique, qui permet de retrouver les hypoglycémies que les patients ne ressentent pas. Et c'est pour ça qu'on dit... Voilà, c'est un seuil de perception. Voilà. Alors... S'il vous plaît. Alors, on a parlé des éléments diagnostiques, comment l'ADA a fixé les seuils diagnostiques de l'hypoglycémie, donc les trois niveaux, l'hypoglycémie à moins de 0,7, moins de 0,54 et l'hypoglycémie sévère où il y a des troubles cognitifs et que le patient a besoin d'une tierce personne pour l'aider. Alors, les hypoglycémies, quelles sont les causes? Pourquoi le patient fait une hypoglycémie? Donc il y a soit un saut de repas, donc il oublie ou il ne mange pas un repas, ou bien il prend un repas mais très pauvre en hydrates de carbone, alors qu'il a l'habitude de manger. Donc il va faire une hypoglycémie. Une activité physique non programmée, et Mme Benani a beaucoup insisté tout à l'heure sur l'activité physique. Donc, une activité physique non programmée. Pourquoi non programmée? Parce que quand on programme une activité physique, on adapte son traitement selon l'activité physique qu'on va faire. Si on n'a pas adapté et qu'on a fait une activité, on peut faire une hypoglycémie. Les surdosages en médicaments, en particulier les sulfamides, les glinides, l'insuline et les associations médicamenteuses antidiabétiques. Donc, le surdosage en médicaments, il peut se produire par erreur. Un malade sous insuline, il se trompe quand il tourne son stylo ou quand il prend sa seringue. Et surtout, il faut prendre en considération les diabétiques qui ne voient pas très bien pour l'injection d'insuline. Donc ça, c'est un élément très important. Alors avant, on leur mettait une loupe sur la seringue, pour ceux qui ne voient pas. Sinon, on demande à une tierce personne de calibrer la dose d'insuline avant que le patient s'injecte. Il y a aussi des erreurs dans les comprimés. Et donc, il va faire une hypoglycémie par surdosage. Il y a aussi des lipodystrophies hypertrophiques. Je pense qu'on en avait parlé déjà. Donc, les points d'injection, quand le malade s'injecte à chaque fois au même endroit, il y a les lipodystrophies. Et donc, quand il s'injecte, l'insuline reste. Et après, lors d'une activité ou lorsque la zone marche,
l'insuline est relarguée rapidement et donc il fait une hypoglycémie. Donc, toujours vous examinez vos patients, s'il vous plaît, les patients sous insuline, il faut toujours les déshabiller et regarder les lieux d'injection. Et souvent, on trouve de l'hypodystrophie à l'origine du déséquilibre diabétique, de l'instabilité glycémique. Alors qu'il a de l'hypodystrophie, donc il faut toujours examiner les endroits d'injection d'insuline, demander aux patients de changer les points d'injection pour éviter ce problème. Il y a aussi des situations favorisantes de survenue de l'hypoglycémie. Il y a l'âge du patient. Plus on est âgé, les sujets âgés, les statistiques ont montré que l'hypoglycémie chez le diabétique de type 2 est plus fréquente après l'âge de 60 ans. Il y a aussi l'ancienneté du diabète. Plus le diabète est ancien, plus l'hypoglycémie est importante et surtout la durée de l'insulinothérapie. Plus la durée de l'insulinothérapie est importante, plus le nombre d'hypoglycémie augmente. Il y a aussi chez les gens qui consomment l'alcool, qui prennent des drogues, ça aussi c'est des éléments qui favorisent les hypoglycémies. Il y a les comorbidités, donc l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatocellulaire, l'insuffisance surrénalienne, l'hypothyroïdie, tout ça c'est des éléments qui exposent à l'hypoglycémie. D'ailleurs chez les diabétiques de type 1, les diabétiques de type 1, comme c'est des maladies auto-immunes, oui, ils font le diabète, ils font la maladie cœliaque, l'hypothyroïdie, et quand un diabétique de type 1 fait souvent des hypos, il faut chercher l'hypothyroïdie. Alors, quelle est la conduite à tenir devant une hypoglycémie? Donc, devant une hypoglycémie, il y a des mesures à prendre en urgence. Il faut ensuite rechercher la cause de l'hypoglycémie et la corriger. Et bien sûr, éduquer le patient, reprendre l'éducation pour prévenir la survenue d'autres épisodes d'hypoglycémie. Alors, en urgence, qu'est-ce qu'on fait? Il faut resucrer. Alors, comment vous resucrez? La personne est consciente. Personne consciente. Comment vous resucrez? Oui. Alors, qu'est-ce que vous donnez comme sucre rapide? Du sucre. Hein? Du chocolat. Du boisson. Alors, moi, je préfère le sucre. C'est ce qu'il y a de mieux. Trois morceaux de sucre. Ça fait trois morceaux de sucre dans de l'eau et vous faites boire. C'est mieux que la coca, voilà. Mais si vous n'avez rien, si vous avez vous n'avez pas de sucre à côté, mais vous avez un verre de coca, ou la malqad l'essel, on vous la donne pour sauver la situation. Mais la meilleure façon, vous donnez du sucre, et ça fait parce que c'est calibré, vous savez ce que vous donnez. Alors, si vous êtes proche du repas, d'un repas, si ça arrive juste au moment d'un repas, donc vous me donnez le sucre, donc 15 à 20 grammes de glucides rapides, vous contrôlez maintenant, 15 minutes, s'il n'y a plus d'hypoglycémie, c'est bon. S'il est encore en hypoglycémie, vous resucrez encore. Vous resucrez et il faut passer à un sucre lent. S'il y a le repas lent, il va prendre le repas avec son sucre lent avec le repas. Si vous êtes loin d'un repas, il faut donner un sucre lent, c'est-à-dire tout simplement 30 à 40 grammes de pain. Recherchez la cause de l'hypoglycémie et la corriger. Alors, rappelez-vous, on a dit tout à l'heure les causes et les causes favorisantes. Alors, c'est pour revenir à notre malade. Alors, pour notre cas clinique, si vous vous souvenez, elle est venue pour des malaises répétés l'après-midi. Et elle est sous ado, 2 grammes metformine, 6 mg de glinine. Alors, a posteriori, bon, je vous le dis, quand elle mesurait ses glycémies au moment des malaises, sa glycémie était entre 0,70 et 0,64. Donc, elle faisait bel et bien des hypoglycémies. Chez cette patiente, quelle est la cause, d'après vous, de l'hypoglycémie? Elle a une activité physique, elle mange correctement.
il n'est pas sous insuline. Il n'est pas sous insuline. La dose de Gépride. Parce que la metformine ne cause pas d'hypoglycémie. Par contre, le Gépride, les glinides, sont des insulinosécréteurs. Donc, ils stimulent la sécrétion d'insuline. Et donc là, il faut diminuer la dose d'insulinosécréteurs. Et donc, on va passer de 6 mg à 4 mg par jour de Gépride. On va de nouveau l'éduquer, lui dire voilà, lui apprendre que c'est le glinide qui a fait qu'elle a fait des hypos et qu'elle devrait peut-être consulter son médecin régulièrement et qu'elle devrait signaler ça plus tôt. Parce que l'hypoglycémie est un gros problème. C'est un gros problème, l'hypoglycémie. Le retentissement de l'hypoglycémie sur l'individu est grand. L'hypoglycémie, elle peut retentir sur l'état cardiovasculaire, en particulier les hypoglycémies sévères. Le taux de mortalité, le taux d'infarctus du myocarde, le taux de mort subite, suite à des hypoglycémies sévères, est maintenant prouvé par des études. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'hypoglycémie.